Il souhaite renforcer le flanc oriental de l'OTAN face à la Russie. Les dirigeants de 9 pays d'Europe centrale et de l'Est se sont réunis vendredi à Bucarest, à moins de 3 semaines d'un sommet de l'Alliance Atlantique prévu fin juin à Madrid. Ce que nous souhaitons, c'est une présence consolidée, unie, cohérente, robuste et durable de l'OTAN sur le flanc oriental, déclare le président roumain. Notamment en mer Noire, la plus exposée aux menaces russes. Nous voulons nous assurer que la présence avancée, renforcée que nous avons aujourd'hui sur le flanc oriental sera étendue à d'autres pays comme la Bulgarie, la Hongrie et la Slovaquie, dit le président polonais. En fait, cela a déjà été décidé, mais nous voulons plus, nous voulons la transformer en une défense avancée, renforcée. Joe Biden a réaffirmé son engagement en faveur du flanc est de l'OTAN et a souhaité que cette réunion soit couronnée de succès.